Yo les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 et on va directement attaquer un sujet qui est totalement chaud sur le jeu, le skill base matchmaking. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il est trash sur ce jeu. Ils l'ont toujours pas changé par rapport à la bêta, c'est celui de Modern Warfare 2019. Donc extrêmement compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous donner l'astuce pour contourner cela. Et quand je parle de contourner, je ne parle pas de river boost, qui est le fait d'affronter des personnes qui ont 0,10, 0,20 de ratio, ce qui est complètement con parce que t'affrontes des bots. Mais de rejouer à Call of Duty à l'ancienne, sans skill base matchmaking, en ayant la possibilité d'affronter des tryhards, des joueurs moyens et des personnes moins fortes, comme à l'ancienne et comme on a pu connaître. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On reprend correctement l'activité et cela fait extrêmement plaisir. De défoncer la barre de like, c'est important, donc défonce la barre de like, c'est gratuit, ça m'aide au niveau de référencement, ça me fait plaisir également. Et vous soutenez la chaîne YouTube et ça vous prend 2 secondes. Donc à chaque fois que tu vois une de mes vidéos, tu la likes. Et pour cela, comment je vais faire pour contourner le skill base matchmaking? Et il faut une petite présentation. Si toi aussi t'en as marre d'affronter des gros tryhards, des personnes qui sont ultra toxiques, qui n'arrêtent pas de camper dans les corners, niveau max, qui ont les armes au niveau maximum, mais qui ne font rien pour jouer correctement et que ça sue, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant LagoFast. LagoFast est un VPN uniquement basé pour le gaming. Et cela peu importe ta plateforme de jeu, Xbox, PC, PlayStation. Et il te permet de trouver des accueils beaucoup plus facilement, autant que ça soit pour le multiplayer, que ça soit pour Warzone. Mais sa particularité, c'est vraiment un VPN dédié pour justement les joueurs console comme moi ou comme vous. Et pour ceux qui ont plutôt de la peine de savoir comment installer un VPN sur console, il y a plein de tutoriels disponibles, autant que ça soit sur leur Discord ou via leur blog qui va vous expliquer mais tellement de choses, comment télécharger rapidement Modern Warfare 2 ou Warzone 2, comment être optimisé à mort via le VPN sur sa console de jeu. Non seulement ce VPN vous aide à trouver des meilleurs lobbies, mais en plus de ça, il vous aide au niveau de votre connexion et tout faire en sorte pour également l'optimiser à mort. Cela signifie qu'en plus d'avoir de bons lobbies, vous allez pouvoir jouer sur des très bonnes connexions sans forcément être impacté par celui-ci. Donc qu'est-ce que t'attends pour le télécharger? Le lien est dans la description évidemment. Comme je vous ai dit, le but c'est de contourner le SBMM, pas affronter des personnes qui ne savent pas jouer au jeu. Il n'y a aucun intérêt à ça. Et pour quelqu'un comme moi qui est passé l'année sur Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Vanguard, il est ultra frustrant de ne pas pouvoir jouer tranquillement. Et j'ai passé l'année sur Cold War et Vanguard quasiment toute l'année. Aller chercher des nucléaires, double nucléaire, triple nucléaire, plus de 100 kills, plus de 200 kills, tout est sur la chaîne. Mais là frère, on atteint un niveau de skill base matchmaking beaucoup, beaucoup trop puissant. Et le but c'est juste essayer de prendre du plaisir. Et du coup, voyons voir ça. Tu sais quoi, j'ai envie de faire un petit safari en Afrique du Sud moi. J'y suis jamais allé, le climat est pas mal là ce qui paraît. Allez, c'est parti. C'est parti. Mais non, il y a Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ok? What? What? Ah, en tout cas... Ah bah on peut remercier la GoFast VPN. Let's go. Attends, attends, je me fais tirer par derrière. Ah, t'as posé une mine? T'as fait quoi toi? Non, tu t'es cassé carrément. D'accord. Ouais, ouais, j'ai vu. En fait, le problème, c'est pas qu'il se fracasse. Ah, dommage. C'est Jésus qui m'a tué. Gros coup de karma. Deuxième. Ah, mais ok, d'accord. Oh, c'est encore Jésus-Christ qui m'a tué. Jésus, laisse-moi tranquille. Mais gros, il est en train de m'enchaîner, Jésus, hein. C'est mort. Eh mais gros, Jésus-Christ, c'est... Wow. Premier kill. Deuxième. Là, on va commencer un peu à tryhard, là. C'est bon, Jésus-Christ, là, il m'a énervé, là. Tiens, j'ai le drone. C'est mort. Il y a pas mal de mecs au fond du spawn.
Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent tous au fond du spawn, mais il y en a beaucoup là. Sur le point. J'ai plus de mine. Ok. Ils sont tous vraiment tous au fond du spawn et je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, hein, mais. D'ailleurs, ça va être un endroit de Warzone sur certains. Quand on voit ça. Parfait. En plus, franchement, il y a moyen de leur mettre. Là, je... mort. Ils sont tous morts ou... Non, non. Bah on va le détruire en attendant. Ah, let's go. Elle les a tous fumés. Par contre, j'ai juste peur du spawn. Le spawn QG, ça peut être n'importe où, tu sais, quand tu connais rien. La Dave, il fait quand même pas mal de kills là. Bah alors comme ça on m'attendait en red glitch monsieur. Monsieur m'attendait en red glitch là. Dans à l'intérieur sur certains. Mais tu te fous de ma gueule! T'es mort. Ça t'es mort. Dans le coin. Mort. Putain. Ok, prends les pieds. Voilà. Moins 3. Drone. L'ennemi a fait le coup. Réactif. Le quartier général est inactif. Confirmation d'un nouvel emplacement. L'ennemi a demandé un bombardement stratégique. Ouais. Mais c'est... Encore... Oh là 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 là. C'est chiant qu'il n'y a pas un truc de bombe UM ou etc. Ok. Je suis en train d'enchaîner là, plus que correct. Allez, vas-y. Bon, attends, je vais mettre le drone. Ils veulent tous partir. Ouais, ouais, j'ai compris. J'ai compris, les chiens. Ah, attends, il y a encore. Ouais. J'ai réussi à les piéger au bon moment là. Ah, attends, je suis déjà. Je suis déjà occupé là où je suis en fait. Je suis en train de les enchaîner comme il faut. Hein. Tuer la gueule. Hein. Ah, ils sont partis. Est-ce que je mettrais pas un peu la dab là? Oh, ça me balance full flash, mon dieu, seigneur. Aidez-moi. Ouais. Ok.
L'enchaînement est plutôt pas mal là. Hein. Comment ça t'es pas mort? Scripted. Ouais, ça c'est mauvais ça par contre. Ouais, par contre, le arrière il se fait plaisir. Allez. Je balance le radar à côté de moi. Au top, en bas ou. Ouais, il est en train de capturer. Parce que là, je suis en très très bonne série. Ok. Attends, le problème c'est qu'il n'y en a pas qu'un là. Il y en a plusieurs. Là tu meurs. Mais je crois qu'il y en a un au niveau de la... Ah, il est à la colline, non? Ouais, j'ose pas m'aventurer là-bas. J'ose pas m'aventurer au niveau des collines. Je sais qu'il est là-bas et qu'il va m'attendre avec un gros guet-apens là. Double. Non. Et je suis mort. Non. Non. Ok. Mais en vrai de vrai, je commence à mieux comprendre comment jouer au jeu. J'ai trop l'habitude de vouloir tabasser le spawn à 24. En fait, j'ai trop cette habitude de vouloir rusher, tabasser, etc. Ce côté pump stomper, en fait. De toujours aller plus loin, tu sais, plus vite, etc. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai envie d'aller chercher ce beau jeu-là. Et des fois, en fait, je devrais me taire et dire non. Ça marche pas comme ça. Alors, c'est beau en gameplay, mais bon, quand t'affrontes des tryhards, des fois, c'est pas trop beau, quoi. On est en train d'enchaîner correct, là. Ok, on balance ça comme ça. One shot. Ok. C'est encore en train de le détruire ou ça conteste? Non, ça conteste. Oh, je suis en train encore d'enchaîner, mais là c'est. Ah, j'ai plus de mine. Oh le bordel. Ouais, attends, j'essaye. Ouais, je suis mort. Gros, c'est un truc de fou. J'ai 5, vraiment 5 putains de. Ok. Non! Laisse-moi m'amuser. Et Jésus Christ, quand même, 50 bombes, hein. Il rigole zéro, le bougre. Ok. T'es là, y'a personne. Ouais, mais par contre, ils sont où les autres? Ils spawnent où? C'est ça le truc. Ouais, j'ai pas trop l'impression. Comment ça, t'es pas mort? Tiens, drone. Let's go. J'ai la dave. Ah ouais, carrément là. Là on va. Là ça va être du poulet là. Oh le poulet comme on dit là. Je sais plus comment ça se. Peu importe.
Non. Non, je suis mort, bon c'est pas grave. Allez le QG, fais du kill. Bon, il y a moyen d'aller chercher plus de sang en vrai. Il y a moyen. Allez, allez, allez. Ah, Jesus. Je dois avoir un bas de karma avec lui. Ok, ça dégage. Sur le côté, sur le côté. Non. Faut jouer. Mais ils sont où? Parfait. Je suis en bas. Hein. Non. Je suis mort. Je suis mort à 2 kills du puits de sang. Je suis mort à 2 kills du plus de sang. Mais non. Mais non, j'ai trop le démon. Mais par contre, la game est insane. Hein. Je crois que c'est la meilleure game auquel je me suis plus amusé sur Modern Warfare 2. Et j'ai jamais pris autant de plaisir sur le jeu là. Voilà, comme vous avez pu voir, le lobby était juste incroyable. Il y a eu du tryhard, des personnes moyennes et des personnes absolument pas fortes, comme on est censé avoir sur Call of Duty en matière générale. Et je vois déjà certaines personnes se plaindre disant « Ouais, mais le VPN, c'est pas bien, etc. » Tous les streamers Warzone utilisent un VPN pour s'amuser, pour créer du contenu. Cette année-là, Infinity Ward a décidé de faire comme avec Modern Warfare 2019, détruire ce délire. Je l'ai accepté sur Cold War et Vanguard parce que même s'il y avait du skill-based matchmaking, même s'il était possible de réaliser des doubles nucléaires, même des nucléaires contre des gros tryhards, je veux dire, sur la chaîne, vous en avez des nucléaires contre des tryhards, des mecs qui ont 3 de ratio. Mais là, clairement, c'est juste impossible vu la puissance du skill-based matchmaking qui a été mis en place. Je suis là pour essayer de prendre du plaisir et créer du contenu sur Call of. Et le skill-based matchmaking, là, mis en place, fait tout pour m'en empêcher. Tout. Il fait tout en sorte. Et le problème, c'est que pour réaliser des nukes, puisque j'ai réalisé la nuque hein, sans utiliser quoi que ce soit, il faut que tu tryhardes à mort, faut que tu te taises et que tu dises rien. Et je vois pas l'intérêt de faire ça en vidéo. Si c'est pour rien entendre et juste entendre le bruit du jeu et que je me tais, il n'y a aucun intérêt. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah, tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.